Dans mes affaires, j'ai trouvé ce carnet. Donc, voilà. Ce carnet personnel. Et avec des dessins. Donc, là, apparemment, c'est l'orage. L'orage de Yann. Ouais. Faut pas rigoler. Bon. Je m'exprimais. Là, je sais pas trop. Qui va exprimer de l'art là? Une fleur, ça Une oui, fleur et mais. une télé, je pense. Une télé. Non, une maison. Non, c'est une C'est télé. trop bizarre. On dirait une boîte avec un tiroir. Enfin, je sais pas, trop bizarre. Mais non, une boîte à œuvres avec des Ou un antennes. lapin. Je sais pas. Bah, vous me direz ce à quoi ça vous fait penser dans les Une télé. commentaires. C'est une télé. Voilà. Qui est la team télé? Et ensuite, hein, alors ça c'est une dame avec une jupe. Bizarre. Bizarre, bizarre. Ça date quand même de 86. Hein. Voilà, j'ai retrouvé ça. Bon, alors, un enfant dans un carré. Je dirais une boîte. Ouais, peut-être que je sais pas. C'est bizarre, un enfant dans une boîte, enfin. Encore un enfant dans une boîte. Un monsieur dans une boîte. Bon. Je sais pas. Peut-être qu'un psy pourra deviner ce que c'est. Ce que ça veut dire. Ensuite. Et en plus, je les ai mis. Alors, attends. Attends. Ça. Ouais, faut pas que je les mette n'importe comment. C'était par ordre en plus. Donc, ça. Donc, 21 mai 86. C'est marrant, c'est la période en plus. Ça, c'était la période. Avec des fleurs. Des fenêtres. Des petites filles, voilà. C'est peut-être ma grand-mère, ça. Ouais, je pense que c'est ma grand-mère que j'ai dessinée. Voilà. Un là, j'avais pas vu derrière. Mi-o-ami. D'accord, ok. Bon. Je voulais dire mon ami, peut-être. Alors, ce 22 mai 1986, des fleurs avec des cœurs, je crois. Ou alors, c'est des nuages, je sais pas. Des nuages ou des cœurs, je sais pas. Trop bizarre. Bref, voilà. Ensuite. Des abeilles, des fleurs et des fenêtres, 22 mai 1986. C'est bizarre. On dirait des. Je sais pas, mes personnages, on dirait qu'ils ont eu. C'est une tête de mort. Ils ont une sacrée tronche, n'empêche. Il n'y a rien de marqué. Ok. Ensuite, j'ai retrouvé ça. Dessin, mais ça c'est beaucoup plus tard, je pense. Je sais plus. Je sais pas s'il y a la date. Il n'y a pas de date sur ce dessin. Oh, je pense que j'ai acheté en primaire ou au CP. Je sais pas. Moi, la fille qui a pas d'ego à l'époque. Non, non, je rigole. Je rigole. Bref, la plage. Avec le rocher et une souris dessus. C'est original. Après, me demandez Pascal là-dessus, je m'en rappelle pas. Je sais pas. C'est des serviettes de plage, à mon avis. Bref. Bah, vous me direz ce que vous en pensez. Pareil dans les commentaires. Ça, je crois que c'est des poissons. Là. Ensuite, j'ai trouvé ce dessin.
Alors, un peu déchiré, ma foi, par les années. Alors là, je sais pas ce que c'est. Un arbre avec des enfants autour qui jouent. Et je sais pas. Bizarre. Deux femmes ou deux hommes ou un homme et une femme, je sais pas. Et là, un homme et une femme. Je sais pas ce que c'est. Des enfants, je sais pas. Et là, ah oui, d'accord, c'est les mamans qui les attendent, je crois. Parce qu'elles ont fait à manger. Je sais plus ce que c'est. Pas de date. Il n'y a pas de date. Rien du tout. Bon. Ben voilà. Pour ce dessin-là. Ensuite. J'ai retrouvé. Bon, ça c'est personnel après ça. Voilà. Ah si, je peux vous montrer ceci. C'est moi qui ai fait la première photo de mon chien Milou. Y a pas de date. C'est dommage parce que sur toutes les autres photos il y a des dates. Et voilà. Donc ça c'est moi qui ai fait la photo. Là, c'est moi quand j'étais petite qui mangeais un os, non, un truc de poulet, je crois. Ouais, un pilon de poulet à côté de mon chien. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ma photo préférée que je vais faire en scrap sur mon. Bah, sur mon carnet là, que j'avais commencé, sur celui-là. Donc je vais le mettre en scrap. Voilà, j'avais commencé hein, à faire le scrap. Voilà, ça c'est le dessin que j'avais fait la dernière fois. Et là c'est le scrap que j'avais fait en dernier. Oui, voilà. Là, ça s'ouvre, mais je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a des photos de ma personnelle. Voilà. Voilà. Donc ceci, je vais le faire en scrap. Et ça. Alors ça, c'est un trèfle à 5 feuilles. Alors je ne sais pas si on peut le voir au travers. Je sais pas si on arrive à voir parce que je veux pas l'abîmer. Si on voit pas. Pas si on arrive à voir. Et c'était pour ma maman. Voilà, c'était pour ma maman pour son anniversaire en 2005. Donc j'avais combien? J'avais combien? C'était en 2005? Non. Ah ouais. Je me rappelle plus. Bref, voilà ce petit moment. Et j'ai retrouvé ce carnet. Ouais. Il est magnifique. C'est un carnet qui date des années 70-80. Et je crois que ma maman avait marqué quelque chose. Surtout là. Myriam est près de moi. Dans un petit. Ah non, c'est pas celui-là. Je crois qu'elle dit où elle est enceinte. Je sais plus. Bah voilà. Mais il y a ça aussi. Bref, des vieux souvenirs. Voilà. Mais ça date de pendant la grossesse de ma mère. C'était un carnet. Comment dire? Carnet de bord, on va dire. Voilà. Voilà, les amis.